Bonsoir, mesdames et messieurs. François-Olivier pour les Must à Montréal, en direct de la 31e édition du Gala des prix Gémeaux, le gala qui récompense le meilleur dans le domaine télévisuel au Québec. Très content d'être ici pour une deuxième année. Les Must vous réservent une couverture complète de toute la soirée. Et on commence immédiatement avec des images du tapis rouge. Et ensuite, on revient ici à la salle de presse pour des entrevues avec les gagnants. Tout ça, ici même, sur les Must à Montréal. Félicitations pour ton prix. Merci beaucoup. Dis-moi, dans ton personnage, j'aimerais savoir le trait de caractère qui te ressemble le moins. Ben, elle va vraiment dans des zones quasiment psychotiques, mon personnage. Puis ça, j'ai jamais vécu ça. Je sais pas c'est quoi faire une crise de psychose, puis tout ça. Donc, c'est vraiment des zones que je connais pas du tout. C'est un peu la maladie mentale, si on veut dire. Tu sais, il y a des zones que je connais pas. Donc, ça, c'était vraiment un apprivoisement pour moi de travailler là-dessus. C'est un public qui est très stressé, OK? Qui se regarde beaucoup pour les bonnes raisons, là, qui est nommé, qui est là pour... Qui est pas en mode détente, mais qui est en mode travail, donc qui est très, très nerveux et très crispé. Et des fois, au début du numéro d'ouverture, on sent ça. C'est pas facile. Puis à un moment donné, quand ils embarquent, là, on sent que c'est comme un spectacle d'humour, là, ça se met à débouler. Mais des fois, les 3-4 premières minutes peuvent être un peu froides. Et puis c'est le défi, c'est de dire, continuons tranquillement, allons-y, puis ça va fonctionner. La violence, je pense. La violence, oui. C'est quelqu'un de doux. Je pense que oui. En même temps, je pense que pour mes proches, je pourrais avoir de la violence en moi. Mais une violence puis une manipulation comme ça, non. Je peux incapable. Avoir autant d'enfants. L'angoisse, c'est le direct, c'est la mémoire. Parce que... Non, ça ne pardonne pas. Tu n'as pas le goût, t'as pas le goût de t'enfarger. Son silence. Parce que moi, je suis quelqu'un qui exprime puis qui dit ce qu'elle sent. Tu sais, je suis une extrovertie. Puis Marie, c'est un coffre-fort fermé, plein de secrets, de silence, d'ombre. Alors ça, c'est très différent de moi. Bien, je suis pas un plugueux, moi. Puis j'ai un grave défaut. Tu sais, des fois, il faut se mettre à la place du public. Alors, les gens aiment ça, savoir les making-of, comment ça se fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière les... Moi, je m'en calisse de ça. Ça m'intéresse zéro focal. Et le trait de caractère qui te ressemble le plus, en fait? Je pense que, pas pour me donner des qualités, mais je pense qu'elle a une ouverture d'esprit par rapport au métier qu'elle fait, qui est très... Cette ouverture-là, je pense que je peux l'avoir. Puis une tendresse envers les gens qui, malgré le fait qu'ils ont fait des choses absolument épouvantables, peuvent avoir de la compassion pour ce monde-là. Je pense que j'ai un petit peu de ça. Je l'ai été longtemps. Peut-être que c'est plus comme ça, mais mettons que l'amoureux gêné qui frappe un mur longtemps. Ça, c'est... Oui, j'ai connu ça. Ses aspects gauche. Sa manière gauche de prendre pour les gens qu'il aime. Il les aime pas de la bonne manière. Il les aime un peu de façon maladroite. Je dirais ça. Et son sentiment de résolution intérieure. Ça aussi, ça me ressemblerait. Ouais, ouais. Moi, je suis le genre à semer, mais ce qui m'importe, c'est pas de semer, c'est de récolter. Ce que j'aime, c'est ça. J'aime ça quand tout d'un coup, là, ça prend forme. De parler de musique, d'écrire sur la musique. Je suis un grand amateur de musique, donc de faire de l'humour sur de la musique, moi, ça fait 10 ans, 11 ans, ça va faire 11 ans que j'ai ce mandat-là d'écrire là-dessus, puis les idées me viennent tout le temps parce que c'est un sujet qui me passionne, donc ça, c'est le bout le plus fun. Son amour pour les autres, je crois. Marie, elle a ça aussi, moi, j'ai ça aussi, parce que pour le reste, on est très différents. Bien, moi, j'ai depuis longtemps pas voulu jouer un personnage. Fait que quand j'anime, what you see is what you get. Je suis rassembleur. Je suis un bon... Je travaille super bien en équipe. C'était la 31e édition du Gala des prix Gémeaux. J'espère que vous avez aimé. Premièrement, j'aimerais remercier les relationnistes de presse de la boîte de Annex Communication et l'Association canadienne du cinéma et de la télévision qui a organisé cette soirée. On se donne rendez-vous le 30 octobre prochain pour le Gala de la Disque. À bientôt!
Écoute, on est des musts. Ah oui, c'est le must du must. Et ça, c'est vous êtes les musts. On est les musts. Tout le monde est les musts. Tous les gagnants sont des musts.